à la pub. Ouais. On s'est même un petit peu chatouillé parce qu'elle me dit ne dis pas que j'ai renié la Starac, parce que j'avais dit qu'elle avait renié la Starac. Parce que pendant 10 ans, c'est vrai que son visage a été flouté sur toutes les images. Ça, c'est vrai. Ouais. Bon. Ça, merci, Jordan. Ça, c'est vrai. Parce que là, tous les fans. Ah là là là. Alors, pourquoi on floute? Si on n'a pas un problème avec la Starac, pourquoi on floute? Olivia Ruiz a dit on ne me parle plus de la Starac dès la sortie de la Starac. C'est son choix. Je le respecte. On n'y en parle plus. Et on n'en voit plus, Olivia Ruiz. Et Olivia Ruiz ne veut plus qu'on l'entende parler. C'est son choix, elle a le droit. Elle vous a dit ça, Jennifer, hors antenne? Bien sûr, à la pub. Et ça, personne ne le sait. Bien sûr, on s'est même un peu chapouillé. Et chapouillé, pourtant, j'ai été cool. Bah, que... un peu accroché. Ouais, dis pas que j'ai renié la Starac et tout. Je suis désolé. Moi, quand on floute une image, c'est que tu as donné des ordres pour dire j'ai pas envie qu'on voit ma tranche. Et vous a répondu quoi, Jennifer? Oh, elle était un peu tendue, rien. Elle dit ouais, elle pas ça. Après, ça a repris, terminé, basta. Mais je pense qu'elle m'en veut parce que j'ai dit ça, alors que c'est pas méchant. Mais même quand je parle avec certaines personnes du métier, ils me disent pas que ce que je dis, c'est faux. Ils me disent. Comme ça. Mais pourquoi elle est venue alors? Mais c'est elle est bankable.